Il faut d'abord remarquer, c'est que la foi et le capitalisme, c'est deux registres différents. La foi est du domaine de la finalité et du sens de la vie. Et le capitalisme est de l'ordre des moyens à mettre en œuvre dans la vie. C'est deux choses qui sont différentes. Pour le chrétien, il faut faire la liaison entre les deux. Il faut faire le lien entre la foi et le capitalisme. La finalité, ce n'est pas de gagner de l'argent. La finalité, c'est autre chose. Si la seule finalité, c'est gagner de l'argent, ça n'apporte pas de satisfaction intérieure profonde. Mais si la finalité, c'est de construire quelque chose avec des hommes, de permettre à des hommes de se prendre en charge, de prendre confiance en eux-mêmes, de s'épanouir, ça donne un sens à la vie. On est ici sur Terre pour progresser, pour apprendre, pour découvrir, pour s'améliorer. Et donc, l'organisation du capitalisme devrait être faite dans ce sens-là. Je suis toujours opposé à ce que la famille Mullier cote des entreprises en bourse. Parce que le danger quand une entreprise familiale est cotée en bourse, familiale ou pas, c'est que l'objectif, ce n'est plus l'objet social de la société, mais c'est le regard qu'on porte sur le CAC, le CAC 40 qui sort tous les jours pour voir si l'entreprise se vend plus cher ou moins cher. Et donc, on fait du court terme et des mensonges, parfois, pour faire monter le cours ou pour rattraper des descentes, au lieu de s'occuper du client, du personnel et de l'environnement. Grandissez, prenez-vous en charge. Vous êtes là pour ça, c'est un message chrétien. Être chrétien, c'est aimer, c'est respecter, c'est avoir foi dans les capacités immenses de chaque homme et de chaque femme. Et à partir de là, vous pouvez faire n'importe quoi.